Notre histoire commence en 1996 à Paris, au 18 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement, près de la gare de Lyon. Non, non, c'est moi, c'est Antoine. Maman, regarde-moi, qu'est-ce qui se passe là? Maman, regarde, arrête de faire ça, maman, regarde-moi, d'accord? Maman, regarde-moi, c'est Antoine, d'accord? Respire, d'accord? Maman, tu respires, tu me dis ce qui se passe. Arrête, maman! Allez chercher quelqu'un là! Lynn, je ne te connais pas encore, mais je suis certaine que tu es une femme magnifique. Edouard, c'est tes parents qu'on attend? Oui. Et Chico, je vais t'offrir une maison avec un jardin, avec... Chico, ton permis. Tu vas passer ton permis parce que je vais t'acheter une voiture. Et j'ai un ami à moi, je ne sais plus comment il s'appelle... En tout cas, il a fait des grandes études à la Sorbonne et il m'a dit que tu pouvais intégrer les meilleures classes de la Sorbonne et tu pourras réciter... Lynn, tu pourras les réciter, poèmes. Elle connaît... Et tu sais quoi, elle connaît des poèmes de... Comment il s'appelle le monsieur là? Il s'appelle... Comment il s'appelle? Victor Hugo! Attends, elle connaît des poèmes de Victor Hugo. Je disais que l'usine de Bergerac dans laquelle travaillait le fils de Madame Tran a été bombardée et je suis certaine que là, Monsieur Tran est décédé. Bonsoir, je m'appelle Hart. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais pouvoir rentrer au Vietnam, mon pays natal. Et en fermant les yeux, je peux te sentir là tout près. Je vivrai pour vous.